à vous très sincèrement et je voudrais vous demander de vous acclamer très très fort. Votre présence est ici le témoignage de la grande importance que vous accordez à cette cérémonie de ce soir. Oui, il s'agit de l'inauguration de l'IFEP de Caen. Il y a quelques mois de cela, je me suis fait le porte-parole de mes sœurs, de mes mamans, de mes filles de Caen. Auprès de ma sœur, Madame le ministre Marie Toukoné, pour lui demander de bien vouloir mettre à la disposition de ses sœurs de Caen un institut qui va permettre leur autonomisation. Aussitôt dit, aussitôt fait. Non seulement séance tenante, notre sœur Marie Tou a donné une réponse positive, mais juste quelques semaines après, elle a fait venir une équipe ici pour commencer les études afin de démarrer les travaux de construction de l'IFEP de Caen. Aujourd'hui, nous sommes ici devant ce joyau, devant cet institut flambant neuf, ce centre permettant de former nos sœurs, ce centre permettant de former nos mamans. Ce centre va permettre à nos filles d'avoir des compétences pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus, justement activités qui leur permettront de non seulement se prendre en charge pour être autonome, mais ces activités leur permettront d'aider leur mari, d'aider leurs enfants pour leur scolarité, d'aider la famille dans le domaine de la santé, d'aider tout simplement leur famille à être heureuse. Avec ce projet, les filles et les femmes de Caen, mais également des hommes, parce que ailleurs nous avons quelques hommes qui fréquentent les IFEF, donc les femmes et les filles de Caen pourront apprendre la couture, apprendre la pâtisserie, apprendre la broderie et au bout de 3 ans de formation pouvoir s'installer. Elles auront également la chance de bénéficier de cours d'alphabétisation pour celles qui ne savent pas lire et écrire, mais également renforcer leur apprentissage en français, en mathématiques, pour celles qui veulent aller beaucoup plus loin. S'agissant de nos sœurs qui font le maraîchage, elles vont améliorer considérablement leurs conditions de travail avec le système d'irrigation que nous leur offrons. Mais je voudrais vous exhorter à prendre soin des équipements qui sont mis à votre disposition et en tirer le meilleur profit pour améliorer vos conditions de vie et celles de vos familles, parce que nous sommes persuadés à l'expérience que là où la femme est, là où la femme travaille, là où la femme tire profit, ce sont des milliers et des milliers de familles qui en bénéficient. Vive l'autonomisation des femmes pour une Côte d'Ivoire plus prospère. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention.